Je vais vous parler un peu sur la fonction puissance, int, en version récursive. Et cette fonction a besoin de deux nombres, n et soit et i, par exemple, la puissance. If, c'est-à-dire, je vais trouver la condition d'arrêt. On s'arrête que si la puissance est égale à 0, i, if i égale 0, il va nous retourner retail. Tout nombre à la puissance 0 nous donne 1. C'est pourquoi. Ainsi, else. Sinon, retail. N fois puissance. N i moins 1. Il va diminuer jusqu'à ce que i soit égal à 0. Ainsi, je viens, j'appelle pour voir printf %2 puissance 3d par exemple. 3 à la puissance d nous donne 9. Voilà, ça tombe bien. 3 à la puissance d, ça donne 9. Ou bien, par exemple, 3 à la puissance 3. Normalement, cela doit faire nous donner 27. 3 à la puissance nous donne 27. 3 à la puissance 3, effectivement, ça travaille.